Des motopompes, des arrosoirs, des machettes, des pulvérisateurs, des bottes, des limes, des dabas, des complets de pagnes et des effets scolaires. Tels sont les dons reçus par des groupements de femmes, de séguelons, en vue de leur autonomisation financière. On va faire jardin avec ça. On, on fait choux, eh, comme on dit salade, carottes, eh, des tomates, des aubergines, tous les condiments du jardin. On fait ça. Ces dons sont de Mama Matroma Kone, députée suppléante de Ségulon. Dans notre circonscription, euh, la pauvreté est grandissante et cette pauvreté touche énormément les femmes. Pour euh, arriver à, à leurs objectifs, il faut bien qu'elles aient les moyens, il faut qu'elles s'arment pour affronter tous ces obstacles. De la vie qui, qui les attend. Pour assurer une victoire au candidat du RHDP, elle a profité de cette occasion pour inviter les femmes à investir village et hameau pour vendre le candidat à la Ouattara. Kone Suleman, président du conseil régional du Kabadougou, a invité les femmes au travail, car selon lui, seul le travail paye. Et les femmes de ce doivent travailler ardemment pour assurer la survie et l'équilibre de leur famille. Le préfet du département de Séguelon, Benjamin Anou, a invité tous les cadres du département à mener des actions de développement pour soutenir la population, ce qui permettra de lutter contre la pauvreté en milieu rural.